Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité et bienvenue au cœur du mystère. Comment atteindre son potentiel tout en restant serein, joyeux, à l'image d'un enfant? Voilà la thématique qui mobilisera ce soir notre attention. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre invité. Bonsoir Jean-Claude Yovot, vous êtes coach formateur en développement personnel. Bonsoir Monsieur Privé, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, en quoi le fait de devenir comme un enfant peut-il nous aider à atteindre nos objectifs dans la vie? Alors, merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui le dis, vous rappelez que dans le livre de Matthieu, le Christ a dit quoi? Vous devez vous convertir, n'est-ce pas, et devenir comme de petits enfants. Que c'est la seule condition pour vous de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. D'accord? Donc, alors, vous allez voir... Les enfants sont très innocents, n'est-ce pas? Et ils ont un certain nombre de qualités que nous allons voir tout à l'heure. Et ce sont ces qualités, je pense que lorsque l'adulte cultive ces qualités de l'enfant, il n'y a rien à faire, il va atteindre le succès. Et je pense que nous aurons le temps tout à l'heure, dans les détails, de rentrer dans ces qualités de l'enfant. Donc c'est Jésus-Christ qui nous demande d'être comme des enfants. Et c'est à cette condition que nous avons la vie éternelle. Et quelles sont ces qualités de l'enfant qui peuvent être utiles dans notre développement personnel? Ok. Juste un peu avant de répondre à votre question. Vous savez, lorsque vous êtes quelqu'un qui croit aux enseignements du Christ, lorsque vous êtes vraiment un croyant, il y a ce que j'appelle les baromètres, d'accord? Les indicateurs qui doivent prouver que vraiment vous appliquez les principes de Jésus-Christ dans votre vie. Parce que quand vous suivez, on a dit quoi? Jésus-Christ est le sauveur. Donc il est venu vous sauver de quoi? C'est pour que vous ayez, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs au fait. D'accord? Et donc, souvent, vous entendez les gens dire, bah, écoutez, Dieu vous punit pour vos péchés, si vous ne vous comportez pas de telle façon. Ça fait que beaucoup de personnes, on se dit, ok, c'est Dieu, si je souffre, c'est Dieu qui me punit pour mes péchés. Et cela, vous savez, ce discours enlève à l'homme sa responsabilité. On se dit, bon, ok, c'est Dieu qui me punit. Donc, ce n'est pas moi. Et si ce n'est pas moi qui suis responsable, ça veut dire qu'en réalité, je n'ai aucune influence pour changer les circonstances. Et tant que l'individu, l'homme, est dans cette posture... Ça ne va pas évoluer. Ce n'est pas ça une culture de l'enfant. Vous savez, les enfants sont responsables, hein? D'accord? Contrairement à ce que l'adulte peut penser. Et donc, il faut que nous sachions que nous devons savoir que Dieu ne nous punit pas pour nos péchés. Je ne suis pas en train de faire une apologie ou donner un permis au péché, non. Ce n'est pas Dieu qui nous punit pour nos péchés. Il faut que les gens... Il faut déconstruire cette idée. Au fait, Dieu, en créant la nature, a fait quoi? Il y a des règles. N'est-ce pas? Et il y a les récompenses de la règle. Donc, quand on prend la règle établie par Dieu, l'homme ne peut pas établir les règles, c'est Dieu. Donc, la règle, c'est quoi? Elle a deux faces. Il y a une face qui désigne les actions positives, et il y a une seconde face qui désigne les actions négatives. Quand on prend les récompenses, elles ont aussi deux faces. Vous avez la face positive des récompenses, et vous avez la face négative des récompenses. Donc, lorsque vous agissez bien, vous avez quoi? Les récompenses qui sont positives. Lorsque vos actions vont dans un mauvais sens, vous avez les récompenses qui sont négatives. Alors, à partir de ce moment, et au milieu, nous avons l'homme avec notre conscience, notre libre arbitre, qui nous permet de faire quoi? De faire le choix. Donc, c'est vous qui touchez la partie de la loi que vous voulez. Donc, lorsque vous touchez la partie positive, la récompense de l'autre côté, ça sonne positive. Lorsque vous touchez la partie négative, c'est normal que la récompense de l'autre côté sonne négative. À partir de ce moment, est-ce que nous pouvons dire que c'est Dieu qui nous punit pour nos péchés? Je dis non. Nous nous punissons par nos mauvaises actions. Et la punition, ce sont les quoi? Ce sont les expériences que nous rencontrons dans la vie. D'accord? Alors, pour revenir maintenant à votre question. Les enfants, les qualités de l'enfant qui nous permettent, n'est-ce pas, de réussir, d'atteindre notre potentiel, quoi? Vous savez, les enfants, ils sont très curieux. Ça, c'est la première qualité de l'enfant, la curiosité. Donc, l'enfant est curieux. Il ne cesse de chercher, de demander, il fouille partout. Vous voyez? Deuxième qualité, vous allez voir, les enfants ont de la détermination. J'adore les enfants. Lorsque votre petit garçon à la maison veut avoir une boule de glace, monsieur Louté, où? Tant qu'il n'a pas sa boule de glace, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de faire quoi? De vous tarabuster, il continue de vous bouger jusqu'à ce que vous-même vous dites, waouh, il faut que je lui offre ce qu'il veut. Ouais, donc cette détermination, cette foi inébranlable, cette capacité à aller de l'avant et à pousser, fait que l'enfant est un enseignant à l'adulte. Et c'est cette capacité, cette détermination qui permettra à l'adulte, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre ses objectifs. Et l'autre qualité de l'enfant, c'est quoi?
Quand votre enfant veut avoir une boule de glace, il ne fait pas semblant. Il dit, papa, je voudrais que tu m'achètes une boule de glace. Et il précise même l'arôme. Si c'est du si c'est au chocolat, il vous dit, je veux une boule. Il le dira. Voilà, oui. C'est là de la précision. La précision. Voilà une autre qualité de l'enfant que l'adulte doit cultiver. Et puis après, vous allez voir, quand l'enfant demande, même il n'a pas encore obtenu la boule de glace, mais regardez la joie qu'il anime. Il dit à sa maman, ses frères, j'ai demandé à mon papa une boule de glace. Je sais qu'en rentrant ce soir, il va venir avec la boule de glace. C'est cette foi inébranlable de l'enfant, cette capacité qui est, c'est-à-dire, à croire à l'invisible, qui fait que papa doit rentrer avec la boule de glace. Et il se réjouit. Il n'a pas encore vu la boule de glace, mais l'enfant fait quoi? Il se réjouit. Il est dans cette attente confiante. Et donc, voilà autant de qualités de l'enfant que mais l'adulte doit cultiver. Et c'est pour ça que le Christ disait aux hommes, vous devez vous convertir. Et avoir les qualités de l'enfant. C'est la seule possibilité que vous avez, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, qui n'est rien d'autre que atteindre vos objectifs. Et je pense que si... En quoi la curiosité de l'enfant peut aider l'adulte sur le plan du développement personnel pour son épanouissement intérieur, si on peut le dire ainsi? Vous voyez, il y a deux mots qui définissent mieux la curiosité. C'est étudier, c'est regarder. Vous voyez? Lorsque l'adulte veut atteindre un objectif, il doit cultiver la curiosité à travers ces deux mots. Étudier et regarder. Vous voulez devenir médecin. Vous devez regarder les médecins. Vous devez voir ce que font les médecins. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils lisent? Vous voulez devenir riche. Qu'est-ce que vous devez faire? Regardez les riches. Étudiez-les. Quand ils vont au supermarché, où est-ce qu'ils font les courses? Quel type de voiture ils conduisent? Quels sont les amis qu'ils ont? Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Quelle est leur manière de penser? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Donc, qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils étudient? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Comment ils parlent? Et vous le copiez. Vous faites comme ça. Il n'y a rien à faire. Vous allez atteindre aussi vos objectifs. Parce que il est démontré que les riches ont toujours tous une façon de faire les choses. Comment? Justement. Cette façon-là. Quelle est cette façon-là? Bah, regardez, quand nous sortons dans la ville de Cotonou, vous allez voir, quand vous voyez ceux qui ont les moyens, vous les voyez souvent dans les supermarchés. N'est-ce pas? Voilà. Vous les voyez dans les supermarchés. Vous les voyez dans les belles voitures. Donc c'est ça. Ils ne lisent pas ce que vous et moi, nous lisons. Vous voyez? Donc, étudier, regarder. Livres et tout ça, ça peut aussi inspirer les jeunes. Oui, mais voilà. Vous voyez, la dernière fois, on disait, aujourd'hui, la lecture a disparu de notre culture, n'est-ce pas? Et bon, c'est souvent les réseaux sociaux. Moi, je recommande par exemple aux gens, n'est-ce pas, aux jeunes qui nous suivent, de lire par exemple L'homme le plus riche de Babylone, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir, c'est comment même devenir riche. Comment vous devez utiliser partie d'une seule pièce pour pouvoir bâtir une fortune. D'accord? L'homme le plus riche de Babylone. Je ne sais pas si vous avez lu une fois comment vous appelez, Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. Vous voyez? C'est des livres qui comptent partout, mais beaucoup ne lisent pas. Lorsque vous lisez Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche, honnêtement, quand vous lisez ce livre du début à la fin, que vous faites cela, vous n'êtes plus la même personne. Donc vous recommandez aux jeunes la lecture des ouvrages, développement personnel. Justement, honnêtement, c'est pas c'est les ouvrages sur le développement personnel. Et c'est ce que font les grands hommes. Quand vous voulez devenir grand, vous devez être en contact avec la pensée des grands hommes. Victor Hugo a dit, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Le pauvre voit un livre, ça ne lui dit rien. Non, c'est juste du papier avec des écrits dedans. Il voit que c'est difficile. Non, lire, c'est compliqué. Mais c'est ce même livre que le riche lit et tire quoi? De la richesse, de la nourriture pour son âme, et il obtient la richesse, le genre de vie qu'il veut. Donc c'est pour ça que Victor Hugo dit non. Ce qui est un enfer pour le pauvre, eh bien le riche en fait son paradis. Donc nous devons lire des livres qui traitent du développement personnel. Alors vous avez parlé de la clarté de l'objectif.
En termes de développement personnel, comment utiliser cette vertu, la clarté de l'esprit, pour atteindre son objectif? Je pense que l'un des mots qui mine, n'est-ce pas, le développement des gens, et qui fait que beaucoup de personnes sont dans vivent la vie qu'ils n'aiment pas. Oui. Prosaïque, ordinaire. Voilà, une vie ordinaire. Même, non, excusez-moi, mais ordinaire, c'est bon. Les gens vivent une vie en dessous même de l'ordinaire. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que vous descendez dans la rue, vous prenez 10 personnes, vous leur demandez, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Le premier vous dira, je veux être heureux. Ça, ceux-là, c'est encore, bon, eux, ils ont encore essayé. Une autre vous dira, bon, je sais pas, je pense que si je peux gagner un peu d'argent, ce serait bien. Vous voyez, tout ça manque de précision. Ça manque de précision. Oh, l'univers ne comprend qu'un langage. Vous savez, l'univers ne comprend pas le fond, ne comprend pas le français, l'espagnol. Non, 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 ça n'a rien à voir. L'univers comprend le langage des sentiments. Et vous allez voir, les sentiments sont universels. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, je ne sais pas, jaune ou quoi, je ne sais pas, vous avez des sentiments. C'est ce langage que l'univers comprend. Et c'est à travers ce langage, n'est-ce pas? C'est ce langage qui est décodé par l'esprit universel. Et c'est à travers cela, c'est à travers le langage des sentiments que l'énergie universelle améliore nos conditions, élabore les choses. Donc, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas, vous ne définissez pas vos objectifs de façon claire. Souvent, les gens utilisent leur tête comme un carnet de notes. Je dis non. Un objectif se note, s'écrit, et vous le portez sur vous, tout le temps, partout où vous allez. Et vous le décrivez. Si c'est une voiture que vous voulez, vous dites, je veux une voiture, vous donnez la couleur, vous précisez la marque. Allez le plus loin possible dans la précision. Alors, pour nous parler mieux de la précision, regardez. Jésus-Christ, au moment où il appelait ses disciples, on dit au bord de la mer de Galilée, il marchait et puis il a vu deux frères. Simon et André, et Pierre et André, son frère, qui est en train de pêcher. Jésus, les ayant vus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus n'a pas dit, allez, Simon, Pierre, je suis Jésus-Christ. Vos ancêtres vous ont parlé de vous. Je suis venu, je vois que, bon, dans votre travail de pêcheur, vous ne vous en sortez pas. Suivez-moi, je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous aider. Non, non, non. Vous avez vu? Jésus n'a pas. Vous savez que c'est des langages. Quand vous raisonnez comme ça, c'est un langage de faible. Vous voyez, Jésus n'a pas raisonné comme ça. Il a dit, suivez-moi. Ça dit qu'il a dit avec précision ce qu'il voulait. Et celui qui comprend bien, c'est pas je dois comprendre que non. Je dois avoir de la précision dans ce que je veux. Deuxième chose, il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, tout ça va dans la précision. L'individu qui veut atteindre un but dans la vie doit pouvoir fixer des objectifs précis. Ne vous souciez pas de la taille de l'objectif. La taille de l'objectif, ce n'est rien pour l'univers. L'argent que ça va coûter, ce n'est rien pour l'univers. Non. Souvent, les gens, en voulant fixer l'objectif, ils regardent leur poche. Et quand ils voient que je sais pas, ils n'ont pas d'argent, ils se disent, oh, ceci, je ne peux pas. Non, je préfère laisser cet objectif de côté. Non, vous voyez, non, non. Lorsque nous voulons fixer des objectifs, ne regardons pas notre poche. C'est l'univers qui apporte ce que nous voulons. Et tout le matériel qu'il faut pour accomplir nos rêves, pour obtenir ce que je veux, est déjà dans l'univers. Ça existe déjà. Ce n'est pas compliqué pour l'univers de nous donner ce que nous voulons. Peu importe la beauté, peu importe le goût. Tous les matériaux qu'il faut pour avoir ces choses que nous voulons, c'est déjà disponible. D'accord? Tout ce que nous voulons, que nous avons à faire, c'est de demander. Il suffit que ça soit clair. Donc, fixez vos objectifs avec précision et clarté. Je vous ai dit tout à l'heure, votre enfant, quand il veut une boule de glace, il ne dit pas seulement, papa, je veux une boule de glace. Il vous précise la robe. C'est la précision. Donc, cette qualité de l'enfant, l'adulte doit le cultiver et ça lui permettra d'atteindre son développement personnel. Alors, la foi et l'optimisme de l'enfant, comment ça peut avoir un répondant sur le terrain du développement personnel? Justement, la foi, c'est la torche qui guide le chemin. Ouais. D'accord? Notre foi, voilà le chemin, au-delà même des montagnes, de toutes les difficultés de la vie. Mm-hmm. Vous voyez, quand vous prenez un navire, le capitaine, parfois, sur la mer, il y a du brouillard. Mm-hmm. Mais le capitaine ne s'arrête pas. Il se fie à quoi? À sa boussole. D'accord? Parce qu'il sait qu'en suivant la boussole, il va atteindre sa destination. Ouais. Donc la foi est cette boussole
que la nature nous a donné. Si nous suivons notre foi, peu importe les difficultés de la vie, nous sommes sûrs que cette foi nous conduira à destination. Et j'irai plus loin. Vous voyez, les enfants naissent avec une foi instinctive. Tous les enfants, y compris vous et moi, puisque nous avons été enfants. Ouais, les enfants naissent avec une foi instinctive. Mais c'est l'adulte qui fait quoi? Qui corrompt la foi de l'enfant. À travers la mauvaise éducation, justement. Non, tu ne dois pas faire ça. Écoute, nous sommes des pauvres. Nous ne devons pas. Écoute, non, cette chose-là, c'est trop cher pour toi. Non, tu ne dois pas demander. Vous voyez? C'est comme ça que l'adulte, petit à petit, à travers la mauvaise éducation, c'est comme ça que l'adulte détruit progressivement la foi de l'enfant. Selon quand les enfants, quand ils naissent, ils sont petits, ils ont une foi inébranlable. Mais malheureusement, vous savez, les adultes, nous sommes trop sceptiques. Trop sceptiques. Et la foi caractéristique des enfants, c'est la même chose que nous trouvons chez les animaux domestiques. Monsieur Noutéou, je vais vous donner l'exemple de la poule. Regardez la poule domestique. Lorsque la poule prend des œufs, d'accord? Son travail ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut commencer à faire quoi? À couver les œufs. Regardez, avec quelle patience, avec quel fouet, avec quelle détermination, la poule, jour après jour, semaine sur semaine, elle coule les œufs, elle reste sur les œufs, elle s'assoit dessus. Parfois même, elle se prive de nourriture pendant des heures. Parce qu'elle sait que, la poule sait que, si elle fait sa part, en couvant les œufs et en les maintenant à la bonne température, elle sait que les poussins viendront. Et c'est cette foi qui permet à la poule de faire quoi? De s'asseoir jour après jour, de renoncer à la nourriture pour garder les œufs à la bonne température. Et une fois qu'elle fait sa part, qu'est-ce qui se passe un bon matin? Les poussins, vous voyez, les œufs éclosent et les poussins sortent. Et là, la poule est joyeuse. Vous comprenez pourquoi? Lorsque une mère poule est en train de passer avec ses poussins et que vous tentez d'en prendre un, vous voyez sa réaction? Ouais. Justement, parce qu'elle sait que c'est à un grand prix que ces poussins ont été obtenus. Donc c'est ce type de foi nous naissons avec. Mais en grandissant, avec l'environnement et surtout la mauvaise éducation, ouais, nous perdons cette foi-là. Et puis, voilà, le doute s'installe, l'hésitation s'installe. Et nous devenons l'adulte que nous avons aujourd'hui. Et malheureusement, nous trouvons que la vie est due et que ceci est ceci. Non, c'est parce que nous avons perdu cette foi instinctive dont nous avons été dotés depuis notre naissance. Et il faut qu'on retrouve cette foi-là, et c'est ça seul qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Et l'optimisme, alors? Vous voyez, on dit souvent, la victoire va aux optimistes, et la défaite aux pessimistes. Vous voyez, dans la vie, vous avez deux types d'individus. Vous avez ceux qui voient le verre à moitié plein, et ceux qui voient le verre à moitié vide. Alors, il revient à chacun de choisir la catégorie à laquelle il veut appartenir. En toutes circonstances, l'homme doit être optimiste. C'est un peu comme votre enfant. Il vous a demandé une boule de glace. Peu importe, ça peut prendre 3 jours, 4 jours, ça peut même prendre un mois. Il va attendre jusqu'à ce que quoi, la boule de glace puisse venir. Donc, l'optimiste ne peut pas manquer de réussir. Ce n'est pas possible. Parce que derrière l'optimisme, vous avez la foi. D'accord? Parce que vous savez que, et c'est l'optimisme, c'est l'optimisme qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter les épreuves, n'est-ce pas, de survivre aux difficultés de la vie. Parce que sur votre progression, votre parcours vers la réalisation de vos buts, il va forcément y avoir des moments de difficultés. Des moments où vos plans peuvent être contrecarrés parce que vous avez prévu des choses, ça n'a pas marché comme vous voulez, des difficultés que vous allez surmonter. Mais c'est l'optimisme qui vous permettra de pouvoir continuer, de garder l'espoir malgré les épreuves et les tribulations. Alors, les pessimistes, ne pourront jamais atteindre le but. Pourquoi? Parce que juste à la première difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas. Et quand vous dites je ne peux pas, à la nature, c'est simple. C'est comme le paysan qui veut cultiver, il arrange le champ, il trouve le sol. Le paysan ne peut pas changer le sol, vous êtes d'accord avec moi? Le paysan ne peut pas non plus changer la nature de la graine, ce n'est pas possible. Donc, le paysan a deux choses, la graine, le sol, la saison. Donc, sur ces trois choses, le paysan n'a aucun contrôle. Mais quand même, il doit semer. S'il veut avoir de la nourriture pour lui et pour sa famille, il doit prendre le risque de semer.
D'accord? Maintenant, imaginez que le paysan sème. Il sème aujourd'hui, et puis le lendemain, il court, il va creuser pour voir si la graine a germé ou pas. Le lendemain, il va. Est-ce que ce faisant, est-ce que la graine va germer? Elle ne pourra pas germer. Parce que ce faisant, vous empêchez la nature de faire son travail. Et c'est ce que la plupart d'entre nous font. Nous voulons, nous faisons des objectifs. Et comme des enfants, tous les matins, on se lève, à travers nos doutes, on va creuser le sol pour voir si ça a poussé. Le lendemain, comme ça n'a pas poussé, demain, je vais voir demain. On creuse, ça ne va jamais pousser. Donc, et c'est ce qui repousse sans cesse nos objectifs. Et puis, nous sommes fatigués, on dit, oh vraiment, j'ai tellement fait. Je pense que la chance est contre moi. Je pense que de toute façon, dans notre famille, bon, mes parents m'ont dit que, bon, nous, l'argent, non, nous, on n'est pas riches dans notre famille, mais quand même, nous avons la longévité. Je dis non. C'est dangereux. Non. Donc, nous devons faire preuve d'optimisme en tout temps et en tout lieu. Il faut que nous soyons des optimistes indéfectibles. Ouais. Alors, la fidélité et l'honnêteté des enfants, comment est-ce qu'on peut utiliser ces qualités sur le plan du développement personnel pour atteindre notre potentiel, atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, l'adulte corrompt l'enfant? Les enfants, quand ils naissent, ils ne savent pas mentir. Vous dites à votre enfant, écoute, de toute façon, j'ai ton nom qui va venir ici, je suis en train de dormir. S'il vient, dis-lui que je ne suis pas là. Donc, dès que l'oncle vient, il frappe à la porte, l'enfant lui dit, l'oncle lui demande où est ton papa. Il va dire non, papa est en train de dormir, mais il m'a dit de dire qu'il n'est pas là. Ils ne savent pas mentir. Vous voyez? Donc, ils sont fidèles à leur vision, à leur croyance. C'est normal, c'est beau. Et donc, l'individu qui a un rêve, un objectif, si vous n'êtes pas fidèle à vos objectifs, vous demandez aujourd'hui quoi? Une voiture. Demain, vous changez. Vous ne voulez plus une voiture. Vous dites une auto. Vous n'avez pas encore obtenu. Et puis après, vous changez. C'est-à-dire que vous faites une sorte de vagabondage spirituel. Ça ne marche pas comme ça. J'ai donné une fois l'exemple de la loupe qu'on utilise pour regarder les rayons du soleil. Ouais. Vous voyez, quand vous prenez la loupe, et que vous la bougez, vous allez voir, vous n'aurez aucun effet. Mais dès que vous gardez la loupe focalisée, un instant sur le rayon du soleil, pendant quelques temps, vous allez voir tout de suite, l'effet devient immédiat. Ça, c'est la concentration. Donc, nous devons rester fidèles à nos rêves, à nos objectifs. Je ne peux pas avoir un idéal aujourd'hui, demain un autre, après demain un autre. Je ne peux pas avoir des résultats. Ce n'est pas possible, c'est que je dissipe mon énergie. Et si vous dissipez votre énergie, vous n'aurez pas de résultat. Parce que pour faire céder la matière, il faut une dose de concentration. Au début, lorsque vous commencez à vous concentrer sur un but, la matière ne cède pas tout de suite. Mais c'est à force de persister, la concentration, à un moment donné, que la matière cède. Et une fois que la matière cède, elle s'exprime dans le monde réel. C'est comme ça que le verbe devient chair. Mais pendant que vous commencez à vous concentrer sur telle chose, la matière n'a pas encore cédé. Vous détournez votre intention. Alors vous perdez le pouvoir de votre concentration. Vous vous dirigez encore vers un autre objet. Vous vous concentrez une ou deux fois. Vous n'avez pas encore réussi à faire céder la matière. Vous enlevez votre attention. Alors, en fin de compte, vous allez vous retrouver avec un résultat brumeux. Vous allez vous retrouver avec un mélange de résultats qui ne dit pas son nom. Donc, la fidélité appelle la concentration sur un but bien défini pendant un moment. C'est-à-dire que quand vous demandez une voiture, concentrez-vous sur la voiture jusqu'à ce que la voiture soit obtenue, qu'elle vienne. Là, vous avez réussi à faire céder la matière. Et puis après ça, maintenant, vous pouvez passer maintenant à autre chose. C'est ce que font tous les grands hommes. Il faut se concentrer sur un but déterminé jusqu'à le manifester. Un jour, devant des groupes d'étudiants, on a demandé à... aux étudiants de donner la définition du mot détermination. Chaque étudiant a essayé de faire cela. Mais il y en a une étudiante qui dit non. La détermination, c'est le fait de se promettre de ne jamais abandonner. Justement. Donc, je me concentre sur quelque chose. Tant que je ne l'ai pas encore, je ne l'abandonne pas. Et quand vous le faites, on dit autour de nous, la matière est formée d'énergie. Et cette énergie, elle répond à nos idées, à nos pensées.
D'accord? Donc, nous projetons nos idées sur la matière invisible, nous, sur l'énergie invisible. On projette par la concentration. Et c'est comme si nos pensées font quoi? Tapent chaque fois le même endroit de la matière. Elle finira par céder. Il n'y a rien à faire. Vous voyez l'eau et la roche. Quand vous prenez l'eau et la roche, vous voyez que l'eau, elle est faible par rapport à la roche. Oui. Mais regardez, laissez de l'eau couler sur une seule partie de la roche. Pendant un moment, vous allez voir, la roche va se creuser. C'est comme ça qu'on obtient les résultats. Oui. Alors, l'esprit d'apprentissage que l'on observe au niveau des enfants, comment l'utiliser pour optimiser nos capacités et puis atteindre nos objectifs? Je pense que les parents commettent souvent un péché à l'égard des enfants, mais ils ne savent pas. D'accord? Regardez, votre enfant, quand vous dépensez 50 000, vous lui achetez un jouet. Au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il dépièce le jouet. Vous vous fâchez. C'est pas possible. Ça fait 50 000. D'accord? On se fâche en tant que parent. Mais non, l'enfant apprend. Il dépièce le jouet parce qu'il veut apprendre. De quoi est-ce que ce jouet est formé? Quels en sont les organes? Quelles sont les constitutions? Il veut découvrir ou apprendre. Mais l'adulte voit la dépense, il ne compte pas crier sur l'enfant. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On casse l'esprit d'appartenance de l'enfant. On le détruit. Et petit à petit, l'enfant commence par dire, ok, apprendre devient une sorte de péché. Apprendre devient quelque chose de négatif. Il associe l'apprentissage à quelque chose de négatif. Parce que vous lui... C'est ça. Donc, il n'est pas étonné qu'à l'école... qu'un tel enfant puisse avoir des difficultés. Oui. C'est pour ça que je dis souvent, quand les parents se plaignent de leurs enfants, je dis non, c'est simple, je vous donne juste une formule magique pour votre enfant. Un, c'est vous qui êtes responsable. Vous avez détruit sa foi en lui, vous l'avez détruit, c'est pas grave, voilà ce que vous devez faire. Répétez-lui seulement ce mot, tous les matins, et au réveil, et les soirs au coucher. Oui. Dites à votre enfant, posez-lui juste une question. Demandez-lui, qui es-tu? La réponse que l'enfant doit donner, c'est « Je suis le fils du roi des rois, un dieu en devenir. » C'est la formule magique pour les parents. Si vous lui dites « Qui es-tu ? » L'enfant doit répondre « Je suis le fils du roi des rois, un dieu en devenir. » Si c'est une fille, elle doit dire « Je suis une fille du roi des rois, un dieu en devenir. » L'enfant, qu'il soit abruti à l'école, qu'il occupe le dernier rang, qu'il soit le truc là, faites répéter à l'enfant, n'est-ce pas, matin, avant qu'il ne quitte son lit, le soir de dormir. Je vous donne 6 mois. Vous allez voir cet enfant. Il va se transformer. Il n'y a rien à faire. Vous imaginez? Je suis le fils du roi des rois. Je suis un dieu en devenir. Vous pensez que ça ne va pas transformer? Ça va transformer. Ça va transformer. Oui. D'accord? Et donc, au niveau des adultes, nous devons cultiver cette qualité de l'enfant. Ouais. Nous devons continuer à apprendre. Monsieur Prévert, ouais. Regardez. Les gens sont un peu, ce que j'ai appelé, unijambistes. Regardez sur un terrain de football, vous avez des joueurs qui tirent des deux pieds. Donc, peu importe sa position. Ils tirent des deux pieds. Et ils marquent. Ils font mouche. On dit souvent, celui qui tire peut parfois faire mouche. Oui. Mais celui qui ne tire pas ne va jamais atteindre son but. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tirer pour faire mouche. Ouais. Donc, mais le joueur qui n'a qu'un seul pied, quand il reçoit la balle sur son mauvais pied, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire quoi? De revenir sur le bon pied. Pendant ce temps, le défenseur adverse vient et lui arrache la balle, et puis la chance est perdue. Vous voyez? Donc, en tant qu'adulte, je dois avoir cet esprit d'apprentissage. Je peux avoir commencé dans la vie comme un mécanicien, mais est-ce que je dois me limiter à ce travail de mécanicien? Non. Si je le fais, je prends un risque. Quand mon père était jeune, c'était, comment s'appelait là? Les motos, bébé, quoi? Les BBCT. Voilà. Et les mécaniciens à l'époque, c'était les BBCT. Ouais. Alors, monsieur Privé, combien de BBCT avez-vous encore dans la ville de Cotonou? Zéro. Maintenant, mon père à l'époque avait appris à réparer BBCT. Aujourd'hui, il est au chômage. Absolument. Puisqu'il n'y a plus de BBCT. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas me dire, ok, j'ai fait la comptabilité, j'ai fait la plomberie, j'ai fait, comment vous appelez ça? J'ai fait la sociologie, j'ai fait le droit, et puis je m'en tiens juste à ça. Non. L'esprit d'apprentissage m'amène à aller au-delà de cela. Ok, j'ai déjà mon diplôme en droit, je comprends le droit, c'est bon. Mais apprends autre chose. Le Seigneur dit, mes voies sont quoi? Imprévisibles. Nous ne savons pas d'où est-ce que la bénédiction viendra. Vous comprenez? Donc, vous devez faire ces choses-là. Et je disais ici, déjà sur ce plateau, que
pour avoir plus dans la vie, je pense que nous devons devenir plus. Plus. Et c'est l'apprenti, la seule chose qui nous permet de devenir plus, c'est l'apprentissage. Nous devons être prêts, comme les enfants, à découvrir le monde qui nous entoure, à apprendre de nouvelles choses. Ne soyons pas figés. Je sais faire la comptabilité, point, ça s'arrête là. Vous savez, j'ai étudié avec des gens et j'ai un ami qui était avec moi la dernière fois, on discutait. Il me dit, Jean-Claude, je dis oui. Il dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu es un littéraire. Je dis oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la, dans le, comment peut-on ? Le coaching. Dans le coaching et dans l'entrepreneuriat. Je dis, mais écoute, c'est bien, j'ai fait la littérature, c'est bien. Mais penses-tu que si j'étais resté uniquement à la littérature, tu penses que j'aurais le genre de vie que je mène aujourd'hui ? Non, parce que j'ai compris très tôt. Je ne peux pas être unijambiste. Non. Si je veux avoir le genre de vie que je veux, il faut que j'aille au-delà. Donc, j'ai dû me former, me perfectionner. J'ai même appris la plomberie. Donc, quand je fais la plomberie, il me dit, attends, Jean-Claude, attends, il y a un problème. Je dis non. Comment vous pouvez passer de littéraire à plombier? Nous faisons aussi de la construction. Il me dit, mais comment tu peux passer de littéraire à la construction? Je dis non. Nous naissons, c'est pour apprendre. Notre esprit, et notre esprit, notre cerveau, c'est ça qui est bien. Le cerveau, c'est un embryon qui est en développement. Il ne s'arrête jamais. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter juste à une seule chose. Donc, l'apprentissage, apprendre. Le jour où l'homme cesse d'apprendre, c'est la fin de sa vie. Donc, les enfants apprennent et nous devons avoir cette culture d'apprentissage, peu importe le métier que nous exerçons. Et ce qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est quoi, monsieur Privé? Ce n'est pas le gain que vous avez. C'est au-delà encore. C'est-à-dire, c'est la personne que vous devenez. C'est la personne que vous devenez. C'est-à-dire que même si vous perdez l'argent que vous avez gagné en travaillant, vous savez que vous pouvez encore le gagner. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, si on prend toute la richesse du monde et on compte le nombre d'habitants de la Terre, monsieur Enoutéou, non, je ne vais pas dire du monde, prenons le Bénin, d'accord? On prend toute la richesse nationale et on dit, nous sommes quoi, 12 ou 13 millions d'habitants et on divise toute cette richesse à part égale à tous les citoyens. Je vous dis qu'au bout de d'un an ou de deux, cet argent va encore revenir dans les poches des mêmes personnes. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ont appris à gagner de l'argent. Et une fois que vous avez cette connaissance, c'est comme la science. Vous allez l'appliquer et vous allez avoir les résultats. Et ceux qui aujourd'hui sont pauvres et qui vont obtenir la richesse nationale, redeviendront comment? Redeviendront pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ne savent pas que l'argent se fabrique. Je ne parle pas d'aller voler ou de faire des faux billets, non. L'argent, ça se fabrique. Bien sûr. Comment? Vous avez vos objectifs, vous les mettez en place, vous détectez des besoins. Avec ces produits ou ces services, les besoins des hommes sont satisfaits. C'est comme ça que vous créez, vous fabriquez de l'argent. Une dame est venue me voir un jour, et parce qu'elle a entendu parler d'un de nos services. Et quand elle est venue, elle me dit, mais monsieur Yevo, ça doit coûter combien? Je dis, 1 million. Elle dit, oh, monsieur Yevo, attention, 1 million, attendez, on va trouver ça où? Je dis, mais madame, vous pensez que 1 million, c'est beaucoup? Elle me dit, oui, on va trouver 1 million où? Je dis, ok, comment est-ce que vous comprenez 1 million? Elle me dit, mais monsieur Yevo, 1 million, il faut 100 000, combien de fois? 10 fois. Je dis, mais madame, ok. Je dis, prenons le mot million, d'accord? Et c'est là où je voudrais que les gens comprennent. Les mots ont une mélodie. Derrière chaque mot, n'est-ce pas, il y a une mélodie spirituelle qu'on doit comprendre. J'ai dit, ok, madame, prenez le mot million, d'accord? Prenez la première lettre, M. Écrivez moi. Donc, le M devient moi. Elle écrit, d'accord? Je dis, ok, prenez le I qui suit. Elle prend le I. Je dis, ok, écrivez inspirante. Elle met inspirante. Je dis, ok, prenez la lettre qui suit, L. Je dis, mettez lutte. Elle écrit lutte. Je dis, ok, on prend la deuxième lettre de million. Je dis, ok, Et comment appelle-t-on la première lettre, il a dit et lutte. Et j'ai dit, on a pris les mots O, I et on a tout fait. Et désormais, j'ai dit que madame, prenez les différents mots que nous avons obtenus. D'accord? La deuxième lettre L, lumière, on a pris la seconde lettre I. On a, et à la fin, je lui ai dit, mettez les mots ensemble. Vous savez ce qu'elle a obtenu? Le mot million devient désormais moi. Inspirante. Lumière. Lutte, vous voyez, immédiatement, obtient naturellement. C'est ce que le mot million est devenu. Moi,
inspirante lumière, je lutte immédiatement et j'obtiens naturellement. Je dis maintenant, madame, est-ce que vous pensez que ce million-là, c'est toujours sur papier ou bien c'est en vous? Et là, elle garde un silence. Je dis, voilà. Donc, quand on dit million, ne voyez pas du papier. C'est d'abord en vous. Donc, à partir du moment où vous comprenez que, ah, million, je suis cette, c'est moi, cette, ce million, c'est une lumière qui est en moi, vous ne voyez plus avoir un million comme une difficulté. Même si on vous demande de demander comme revenu un million par jour, vous allez avoir le pouvoir de le demander. Jean-Claude Diovo, vous avez parlé de comment obtenir plus dans la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir davantage dans la vie? Souvent, on dit, demandez, vous recevrez. C'est pas moi, hein? Donc, nous le lisons tous les jours. Ouais. Demandez, donc c'est pas moi. Vous ne pouvez jamais rien obtenir tant que vous n'avez pas fait la demande. L'univers est neutre. Il n'y a pas de parti pris. Non, neutre. C'est pour ça que l'homme a reçu ce que nous appelons le libre arbitre. Donc, vous demandez. Alors, tout à l'heure, je disais, pour obtenir plus, la première chose, c'est que vous devez demander. Ouais. Mais vous devez demander en abondance. C'est-à-dire que quand vous demandez beaucoup, vous allez avoir une meilleure part. Et chaque fois quand on vient sur la question de demander, il y a toujours ce poème qui me vient à l'esprit, monsieur Nouteau. J'ai demandé un sou à la vie et je n'ai pas obtenu davantage, bien que j'ai prié tous les soirs dans ma misérable échoppe. La nature est la plus juste des patronnes. Vous demandez ce que vous voulez. Mais une fois votre salaire fixé, vous devez vous en contenter. Et la fin dit, j'ai travaillé pour un salaire de laquais pour apprendre, consterné, que j'aurais pu demander n'importe quel gage à la vie. Et elle me l'aurait donné volontiers. Demandez beaucoup. C'est la première règle. N'ayez pas peur de demander. Mm-hmm. Non. Demandez beaucoup. Beaucoup. Et quand vous demandez beaucoup, vous avez la chance d'avoir une meilleure part. Si vous demandez peu, vous risquez même de ne rien avoir. Parce que le peu, il faut que les gens comprennent, monsieur Noteu, le peu n'est pas dans le calendrier de l'univers, au fait. L'univers réagit face aux grandes choses. Les grandes choses stimulent l'énergie universelle. Et c'est pour ça que quand vous demandez de petites choses, vous vibrez à la mauvaise fréquence. Ça ne répond pas, parce que ça ne cadre pas avec le calendrier de l'univers. Non! Donc, vous devez demander de grandes choses pour obtenir plus dans la vie, c'est ça. Il faut demander de grandes choses. Et maintenant, quand vous demandez de grandes choses, maintenant, vous devez être prêt. Faire quoi? Vous n'obtenez rien sans rien. Effort. Sans effort. C'est pas possible. Vous n'obtenez rien sans effort. D'accord? Vous devez fournir un effort supplémentaire. Donc, ça va vous demander une responsabilité. Et je pense que c'est surtout cette responsabilité supplémentaire qui fait que beaucoup de personnes fuient et ne veulent pas demander beaucoup. Ah oui? Quelqu'un qui demande, n'est-ce pas, à devenir un président de la République, par exemple, n'a pas fait le même effort que quelqu'un qui veut être un chef quartier. Non. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. C'est pas possible. Donc, c'est vous qui fixez. Donc, les gens voient, waouh, devenir président, c'est beaucoup. Je ne peux pas fournir cette énergie, c'est pas possible. Je préfère être un chef quartier. Ok, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui trouvent que être chef quartier, c'est trop. Je préfère être quoi? Un subalterne. Ok, vous voulez être quoi? Un subalterne? Ok. Même dans les emplois, monsieur Mteou, oui. Les gens se disent, de toute façon, j'ai mes diplômes, mais de toute façon, si je peux juste trouver un poste quelque part, un secrétaire ou, je sais pas, un pot de séchette d'eau, un pot de ceci, ok, ça me suffit. C'est ce que vous avez demandé, ok, vous l'aurez. Mais sachez qu'il n'y a rien, il n'y a aucune règle qui limite ce qu'un individu peut obtenir ou peut demander. La seule limite, c'est celle que vous-même, vous fixez. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que le conscient, Jean-Claude Diovo? Alors, voyez, quand vous voyez un être humain, oui. Vous voyez juste une entité unique. Mais en réalité, l'homme n'est pas conscient, ce n'est pas une entité unique. Nous avons deux mondes. On a un monde, l'homme vit dans deux mondes, un monde extérieur et un monde intérieur. Et quand vous prenez le monde extérieur, c'est le monde qui traite de tous les objets que nous pouvons voir, toucher. Vous voyez, ça a rapport aux cinq sens qu'on nous enseigne souvent à l'école. Ce monde extérieur est gouverné par un esprit qu'on appelle l'esprit positif, la conscience ou le conscient, c'est la même chose. Et le monde intérieur,
il est gouverné par ce que nous appelons l'esprit subjectif ou le subconscient. Donc le conscient, c'est cette partie de vous, ouais, n'est-ce pas, qui, dont le cerveau reçoit le contrôle et qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir traiter de tous les objets qui sont visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, c'est ça. C'est cette partie extérieure qui est un petit monde par rapport au vaste monde intérieur, qui est en réalité le monde du pouvoir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au conscient. Et quelles sont les fonctions du conscient, Jean-Claude Gueufo? Le conscient, l'un des premiers rôles du conscient, c'est la capacité de raisonnement. Avec le conscient, le conscient utilise le cerveau comme organe. Et avec cet organe qui est le cerveau, oui, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons raisonner. Peu importe le type de raisonnement. On a le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, le raisonnement analytique ou le raisonnement syllogistique. C'est grâce au pouvoir du conscient. Le conscient peut discriminer, c'est-à-dire qu'il a la capacité de choix. Je veux ci, je veux ça, non, je ne veux pas ci, pas. La capacité de choix. Le conscient peut impressionner d'autres, ouais, esprits. C'est-à-dire que vous pouvez, à travers votre conscient, faire passer un message à une autre personne. C'est-à-dire qu'avec votre conscient, vous pouvez influencer le conscient d'une autre personne. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous allez voir, dans les jeux de pouvoir, pour ceux qui comprennent un peu comment fonctionne le conscient, à travers ce que nous appelons la technique de l'induction mentale, mm-hmm, vous pouvez formuler une idée. Et à travers cette idée, vous pouvez, n'est-ce pas, pénétrer la conscience, influencer quelqu'un, mm-hmm, peu importe la distance. Donc, oui, le conscient est au-delà, n'est-ce pas, il n'y a pas de... ne reconnaît pas l'espace, mm-hmm, d'accord? Donc, vous pouvez influencer. Et l'autre rôle, l'autre fonction... Oui. Qui est intéressant à souligner, c'est que le conscient a la capacité d'influencer, de conduire, de diriger le subconscient. Et c'est ce dernier rôle qui peut complètement renverser les conditions d'un individu. C'est ce dernier rôle du conscient qui constitue le pouvoir que le Créateur a mis dans les mains de l'homme, que vous pouvez utiliser pour réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Et quand je dis tout, il n'y a pas de limite, tout ce que vous voulez. Très bien. Voilà les rôles du conscient. Alors, comment le conscient change-t-il la vie d'un individu? Le conscient, ouais, en lui-même n'est pas créateur, d'accord, mm-hmm. Mais vous avez votre subconscient, oui, qui est votre lien, tout à fait, avec Dieu, mm-hmm, avec l'énergie universelle. Donc, le conscient prend les informations, ouais, les envoie à qui? Au subconscient. Et le subconscient fait quoi? Il élabore. Il transmet ça à l'énergie universelle, mm-hmm, élabore tout, et une fois que c'est bon, maintenant, cela vous revient. Cela revient maintenant, la solution au problème, ça revient maintenant à l'individu sous forme de, quand je parle d'intuition, ça vous dit quelque chose. Quand je parle d'inspiration, ça vous dit quelque chose. Au fait, il arrive des moments où vous voulez, vous avez un problème. Vous cherchez la solution, vous vous concentrez, vous n'en voyez pas. Et un jour, un matin, pendant que vous êtes en train de vous laver, la solution tombe comme ça, boum. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé depuis? Ça veut dire que, vous allez voir, donc votre conscient a fait un travail, mm-hmm, l'a envoyé au subconscient, mm-hmm, le subconscient l'a élaboré et vous a sorti le résultat. Mm-hmm. Et vous allez voir souvent, quand vous suivez votre intuition, quand vous suivez vos inspirations, le résultat est toujours positif, mm-hmm, parfait. Mm-hmm. Parce que le subconscient est une partie de l'esprit universel. Mm-hmm. Et Dieu ne peut pas se tromper. Mm-hmm. Si Dieu ne peut pas se tromper, toutes les solutions suggérées par votre subconscient sont les solutions pures. Et nous disons aux gens, lorsque vous appliquez les principes de l'idée positive, s'il vous plaît, lorsque vous avez une inspiration soudaine, pardon, ne la soumettez jamais au raisonnement. Parce que le raisonnement est humain, il est limité. Or, l'intuition est d'origine divine. Elle est pure. Elle est infaillible. Donc, dès que vous recevez la solution, n'est-ce pas, de votre subconscient, mm-hmm, écartez tout raisonnement. Faites disparaître vos raisons. Appliquez ça tel quel. Vous allez voir, vous serez surpris par les résultats. D'accord. Et quelle peut être l'influence du conscient de l'environnement sur le conscient? C'est l'environnement de l'homme qui corrompt le conscient. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure dans le cas de l'enfant, mm-hmm, de la mauvaise éducation. Oui. Vous voyez, lorsque vous dites à un enfant, tu ne dois pas vouloir ceci, non mais c'est trop cher, mm-hmm, nous on ne fait pas ceci. Vous voyez, donc vous faites, vous faites quoi? Vous êtes en train d'agir négativement sur le conscient de l'enfant. Mais une fois que vous agissez sur le conscient de l'enfant, cela traverse la parole du conscient, il va quoi? Il va dans le domaine, n'est-ce pas, du subconscient. Une fois que ça tombe dans le domaine du subconscient, c'est fini. C'est fini. Cela va naître
comme une réalité. Donc c'est comme ça que le subconscient ou le conscient change la condition de l'individu. Donc notre environnement a une influence vraiment importante. C'est pour ça que je dis aux gens, vous devez faire attention. Les gens peuvent voir, vous n'êtes pas obligé de voir la misère partout. Quand vous allez dans les carnivaux, vous voyez qu'il y a de la saleté, n'est-ce pas? Mais regardez très bien, dans les carnivaux, il n'y a pas que la saleté. Vous allez voir des plantes très belles qui poussent. Vous voyez un peu? Alors je dis, au lieu de regarder dans les carnivaux et de voir les déchets, vous voyez cette belle plante qui pousse. Donc nous pouvons, en train de regarder la même chose, mais ça voit la même chose. On regarde, mais on ne voit pas la même chose. Justement. Vous voyez? Donc, notre environnement, le verre, je vois un verre. Moi, je dis, ouh, mais ce verre, il est à moitié plein. Ouais. L'autre vient et dit, non, mais ce verre est vide. Ça, c'est sa façon à lui de voir. Ouais. Mais non, moi, je dis non. Vous vivez dans un environnement, les gens disent, oh, c'est trop cher. C'est cher. Je dis non, c'est pas cher. Non, vous ne pouvez pas vous le permettre tout simplement. Et je lui dis, mais ok, on te dit que ce truc c'est 15 000 et tu dis que c'est cher. À supposer que si tu as 10 millions dans la poche, on te dit que c'est 15 000, tu vas encore penser que c'est cher? On me dit non. Je lui dis voilà. Donc le problème, ce n'est pas que c'est cher. Le problème, en fait, c'est parce que dans ta poche, ça ne va pas. Vous voyez? Donc nous devons faire, notre environnement a vraiment une influence sur nos choses-là. Et nous devons faire attention à nos amis, à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, aux endroits où nous mettons les pieds. Si nous faisons attention à ces choses, nous nourrissons correctement notre conscient. Et lui aussi, une fois que le conscient il est bien nourri, il ne peut qu'envoyer de bonnes choses au subconscient. Oui. Et le subconscient qui réalise, lui aussi ne peut que vous sortir de belles expériences. Très bien. Merci Jean-Claude Yovo, coach formateur en développement personnel. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très très bientôt.